l'Atlantique. La grande voie où passe du nouveau monde à l'ancien, hommes, armements et vivres. À l'est, les ports anglais. Défendus par les canons de la flotte, ils regorgent de navires qui apportent des quatre coins du globe l'abondant matériel sans laquelle la guerre ne pourrait se faire. Aujourd'hui, tout n'est que silence et mystère dans ces ports anonymes d'Angleterre où les ballons captifs guettent l'approche de l'ennemi. À 3000 milles de là, le Canada, arsenal des Alliés. Dans ses usines et ses ateliers, l'on travaille jour et nuit à forger les armes de guerre. Un flot ininterrompu d'approvisionnement coule de nos manufactures et de nos fermes vers les ports et les champs de bataille, où il aidera à décider de la victoire. Mais 3000 milles d'océan séparent le Canada de ses alliés, et sous cette mouvante surface gît un grave danger. Les eaux peuvent être zébrées tout à coup par le sillage de la torpille qui enverra par le fond les hommes et la coûteuse cargaison. Qu'importe, des navires partent quand même des ports canadiens de l'Atlantique et leurs équipages sont bien déterminés à garder intacte cette source de ravitaillement. On compte 20, 30, 40 cargos réunis en convoi par mesure de protection. Leur libre passage est la tâche importante confiée à la Marine Royale du Canada. Au quartier général de la Marine, le Commodore Howard Reed, qui commande à toute la côte canadienne de l'Atlantique, trace la route, règle la vitesse de chaque convoi et dépêche l'ordre secret du départ. Les destroyers qui patrouilleront la route maritime s'apprêtent à composer l'escorte du convoi. Ces bâtiments sont minces, rapides et puissamment armés. Leur équipage se compose d'une centaine de marins canadiens. Ces marins, on dirait des moines, avec le capuchon qui les garde du froid. Mais qui pense au froid aujourd'hui? C'est la guerre. Les yeux rivés à des lunettes scrutent la mer à la recherche de l'insidieux périscope qui pourrait émerger de l'eau, là, tout près. D'autres yeux observent du haut de ces hydravions de l'aviation royale du Canada qui survoleront le convoi jusqu'en haute mer. Voilà le convoi qui sort. À bord des destroyers, on n'attendait que ce moment. Un à un, les lourds cargos prennent le large à leur rang dans la file. Les destroyers sont en terre et la longue traversée commence. 25. Starboard 25, sir. Les destroyers zigzaguent en avant. Au centre du convoi, on reconnaît un paquebot familier aux voyageurs canadiens en temps de paix. On l'affecte à d'autres tâches maintenant. Port 25. Port 25, sir. De long en large, les destroyers balayent la mer. Ils patrouillent sans relâche sur cette grande étendue, la route où passera le convoi. Jour et nuit, dans le calme comme dans la tempête, les canonniers restent à leur place. Et s'ils s'assoupissent, ce n'est que d'un œil. Toujours ils sont prêts à la première alerte. Ces hommes viennent de partout au Canada, des villages de pêche des provinces maritimes, des rives françaises du Saint-Laurent ou des berges des lacs de l'Ontario. Quelques-uns même ont quitté les prairies pour la mer. En tête, les destroyers filent en éclaireur, et derrière eux, cette flotte marchande lourdement chargée. Un voyage, 10 voyages se passeront sans incident. Mais un jour... Object on the starboard bow, sir! Action stations! All hands to action station! En cas d'alerte, les destroyers ne prennent pas de chance. En un tournement, les canons sont chargés et pointés sur la cible signalée par la vigie.
Visibility range 100. Les tubes lance-torpilles sont mis en position. Le temps de viser, de presser un levier, et quatre redoutables projectiles chargés de 300 livres d'explosifs chacun partent vers l'objectif. Open fire. Un ordre bref à la chambre de chauffe. Les soupapes sont ouvertes. Le navire tressaille tout entier. Sa vitesse atteint 37 nœuds, soit plus de 40 milles à l'heure. Les hélices déchirent la mer. L'étrave fend la vague à travers l'embrun. Les hommes préparent les charges anti-sous-marines. Repeat, sir. Starboard 20. Starboard 20, sir. Brusquement, les destroyers font demi-tour. On change la route afin de mieux dominer la cible. Aucun submersible ne peut échapper s'il est surpris par l'explosion dans un rayon de 20 pieds. À plus grande distance, la charge anti-sous-marine cause des voies d'eau dans sa coque, détraque son mécanisme, démoralise son équipage. Ainsi que gardé par la marine canadienne, un autre convoi gagne en toute sûreté le grand large. Là, les cuirassés anglais géants de Tiltonneau patrouillent la mer furieuse. Leurs canons de 15 pouces sont pointés vers l'horizon et menacent les corsaires ennemis du même sort que celui du Graf Spee. Patrouille terminée, les marins canadiens retournent à la côte où les attend un autre convoi. Car jusqu'à ce que le dernier obus ait été tiré et avant que la dernière tranchée ait été emportée, il leur faut tenir la mer libre à tout le transport allié. À leur garde a été confiée l'une des artères les plus vitales de la communauté des nations britanniques. Même si les ennemis s'embusquent dans les profondeurs, ces hommes bien entraînés sont prêts à tout déjouer leur ruse et à les vaincre. Aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin, nos marins en patrouille sur l'Atlantique perpétueront les grandes traditions de la mer à l'ombre du drapeau qui nous protège en tout temps.